qui a une chaise vide. C'est pas habituel dans cette campagne électorale. D'habitude, ça serait plutôt le trop-plein. Huguette Bouchardeau, vous pouvez peut-être nous expliquer pourquoi ce fauteuil inoccupé à côté de vous. Eh bien, cette chaise est vide. J'ai voulu qu'on la laisse sur le plateau parce qu'elle était là pour un travailleur immigré. Et dans la campagne électorale, ils n'ont pas le droit de s'exprimer dans les émissions officielles. Vous voyez, c'est assez significatif. Ils sont sur nos chantiers, ils nettoient nos transports en commun, mais ils n'ont ni le droit de vote, ni le droit à la parole. C'est tout. Donc pas de travailleurs immigrés. Par contre, vous avez un invité qui est là quand même, qui lui a pu venir. Vous allez nous le présenter aussi. Oui, je laisserai à Jean-Luc Héridel le soin de se présenter, parce que je crois que trop souvent, on prend la parole à la place des personnes handicapées, et que c'est plutôt... Mon désir aujourd'hui, c'est que ce soit lui qui prenne la parole en leur nom. Oui. Si avec le mouvement Handicapé Debout, j'avais décidé de me présenter aux élections présidentielles, ce n'était pas pour être élu. De toute façon, je n'ai pas mes 500 signatures. Représentant le mouvement Handicapé Debout, et indépendamment du PSU, je remercie Huguette Bouchardeau qui nous a permis d'avoir le droit à la parole. Comme vous savez tous, 1981 est l'année internationale des personnes handicapées. Et comme toutes ces années, de bonne conscience, ce sont toujours des spécialistes et des représentants qui se permettent de parler à notre place de nos vies, en cachant bien les réalités qui pourraient remettre en cause ce système de société qui refuse et rejette une certaine catégorie de la population dite différente, dont 3 millions d'handicapés, cachés et exploités dans toutes sortes d'institutions dites spécialisées, telles les hospices, les hôpitaux psychiatriques et tous les mouroirs qui nous empêchent de vivre dignement en tant qu'individus à part entière. On parle souvent d'insertion, pendant qu'il y en a qui survivent avec 170 francs par mois, ceux qui vivent seuls avec 1416 francs par mois, et ceux qui, dans les centres d'aide par le travail ou les ateliers protégés, travaillent 40 heures par semaine, comme tous les autres travailleurs, avec comme salaire de 50 à 70% du SMIG. Nous voulons plus cela. Nous refusons de vivre à l'écart. C'est vrai, nous sommes différents. Et nous revendiquons ce droit à la différence. Ce qui veut dire que nous voulons avoir les moyens de vivre et travailler sans avoir le mendier, de circuler librement, sans les obstacles tels les trottoirs, les escaliers qui nous handicapent, les transports en commun qui nous sont interdits, la charité qui nous humilie, et tout ce qui nous empêche de vivre au titre de citoyen. 3 millions d'handicapés en France, je crois que c'est bien, c'est important qu'ils aient eu la parole au moins une fois, effectivement, dans cette campagne. Huguette Bouchardeau, on arrive à la fin presque de la campagne du premier tour. Je suppose que vous n'avez pas l'intention ou l'espoir d'être présente au second. Donc, pour vous, c'est un petit peu le marathon qui s'achève. Là, quel bilan on peut tirer de cette campagne, votre première campagne présidentielle? Qu'est-ce que vous avez appris pendant tous ces jours? Écoutez, d'abord, j'ai eu du plaisir à rencontrer beaucoup de gens qui m'ont dit que dans cette campagne, je ne parlais pas comme les hommes politiques traditionnels. Et je ne crois pas que j'ai fait d'efforts pour ça. C'est que je ne suis pas un homme politique traditionnel et que je me bats même pour que la politique soit faite autrement, soit partagée par le plus de gens possible. Seulement, j'ai rencontré, voyez-vous, beaucoup de gens qui espèrent, à partir de ces élections, avoir un changement, que la droite soit battue. Mais beaucoup aussi qui craignent, qui se demandent si la gauche est capable de faire les changements qui sont nécessaires. Et j'ai essayé de montrer que ces changements étaient possibles et qu'il fallait simplement des choix assez courageux
et assez claire. Vous avez essayé de faire passer une autre voix de gauche, ou la voix d'une autre gauche. Exactement. Est-ce que vous avez l'impression que pendant cette campagne officielle où vous avez été à égalité avec les autres candidats, où vous avez pu vous exprimer comme tout le monde, vous avez dit l'essentiel, délivré l'essentiel de votre message et des propositions du PSU? Sûrement pas. Sûrement pas, parce que je n'ai pas tout dit. En particulier, j'aurais voulu donner beaucoup plus de temps à des gens qui avaient travaillé avec moi à la préparation de cette campagne, en particulier des Basques, en particulier des Corses, qui auraient voulu expliquer ce qui se passe chez eux. Et puis, vraiment, beaucoup d'autres qui auraient voulu être à mes côtés dans la campagne. Mais j'ai pu parler, tenez, j'ai là les titres. C'est ça, j'ai pu parler résumé, de l'emploi, de l'énergie, de l'agriculture, du tiers-monde, de la défense, de la constitution et de la démocratie. Et des femmes. De l'école et de la... des femmes, bien sûr, parce que... Je ne sais pas parler sans, de politique sans parler des femmes. Puis des minorités nationales de l'État. Et enfin, dernière émission, ce sera sur le racisme. La tolérance à l'égard des modes de vie différents. Et vous voyez, j'ai essayé de balayer un peu le champ des questions en politique. Alors toutes ces choses-là, qui sont toutes des choses et des problèmes importants, effectivement, sont quand même passées un petit peu au second plan à cause de ce qu'on appelle la crise, à cause du chômage, mais à cause de ça. Qui est le thème central de cette campagne de tous les candidats. Bien sûr, mais je n'ai pas l'impression qu'on se soit attaqué de front à ce problème de la crise. Et je voudrais dire qu'il ne faudrait surtout pas se contenter de juxtaposer des solutions sur l'emploi, l'énergie, la défense, l'agriculture, sans voir justement la question qui est posée dans ces années qui viennent et qui est celle d'une crise qui continue, qui va durer, qu'on ne va pas effacer d'un trait de plume. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, les évolutions technologiques vont dans le sens de la suppression d'emplois de plus en plus nombreux dans le monde de l'industrie et dans le monde des services. Ce qui s'est passé il y a 100 ans ou 50 ans, qui se continue dans l'agriculture avec la disparition des travailleurs, cela a atteint l'industrie. Et cela est en train d'atteindre aujourd'hui ce qu'on appelle le tertiaire, parce qu'il y a l'informatique, la télématique et tout cela. Et vous savez, ça n'est pas vraiment du tout une question de replâtrage, de petits remèdes, de calmants à trouver. Alors aujourd'hui, on n'arrive pas à parler du changement de société nécessaire qui serait la seule réponse à cette crise. Pourquoi ? Parce qu'on a dit qu'en France, les présidentielles, ça se jouait au centre. Alors pour jouer au centre, on évite de parler de projet de société. Je constate d'ailleurs que vous-même, le mot révolution ne revient plus dans votre vocabulaire. Mais je parle pourtant beaucoup de révolution profonde à faire. Parce que c'est ça, et en particulier, un changement de société, avec ces propositions comme les 30 heures. Je dis qu'on ne peut pas régler le problème de l'emploi simplement avec la revendication d'aujourd'hui qu'il faut faire passer tout de suite et qui est les 35 heures. Il faut réduire le temps de travail pour tous. 30 heures dans la décennie. Et ça obligera, sans doute, à partager la masse salariale. Et donc, à introduire autre chose, la réduction des inégalités. Il y a aussi toute la demande d'emploi des femmes, qui est réellement un des défis des années qui viennent, et auquel on aura de réponse, que si on est capable, justement, et de parler de réduction du temps de travail, et de parler de réduction des inégalités. Puis aussi, ce problème du tiers-monde, qui est, vous savez, posé, et pour nous, et pour eux, le tiers-monde. On en parle en termes d'aide ponctuelle, d'aide à la fin. Mais ça n'est pas la question. Il faut refuser notre modèle de consommation, notre modèle d'échange, si on veut arrêter d'exploiter le tiers-monde, et si on veut arrêter, chez nous, de supprimer, justement, des emplois. Vous voyez, en plus de ça, il y a toute cette question, des investissements de gaspillage, et tout particulièrement du gaspillage de l'armement nucléaire. Vraiment, choisir une autre économie, c'est refuser ce type-là d'investissement-là. Je crois qu'on n'épuisera pas le sujet aujourd'hui. Non. Alors, je vais laisser un peu le débat de fond, là, si vous voulez bien, parce que je voudrais quand même vous poser une question tactique. Juste à la veille du premier tour, ça me paraît important. On a tous suivi la campagne, la vôtre et celle des autres candidats. On a l'impression qu'il y a un candidat qu'on n'attendait peut-être pas et qui fait très fort, qui est M. Chirac. Oui. Et alors, on se pose la question, est-ce que, par hasard, il ne pourrait pas se produire que la gauche soit éliminée du second tour? Écoutez, M. Langlois, ça, c'est le thème chéri de Jacques Chirac. Jacques Chirac joue les va-t-en guerre, et s'il joue sur le refrain depuis quelques jours, attention, retenez-moi, je vais faire un malheur.
Et Mitterrand répond en écho, aidez-moi, je m'enfonce. Alors moi je dis quand même, il ne faudrait pas céder à l'intoxication Chirac. Et puis, tout de même, si Mitterrand avait eu un tel souci de l'efficacité, peut-être aurait-il pu y penser plus tôt, au moment où il fallait décider d'une candidature efficace dans le Parti Socialiste. Alors, vous voulez dire qu'il aurait dû peut-être laisser la place à Rocard et que ça aurait peut-être, mais en tout état de cause. Peut-être, mais en tout état de cause. Je dis qu'on aurait tort de régler une élection qui a deux tours, comme une élection à un tour. Parce que c'est vrai que dans cette affaire, ce qui est important, c'est que les voix de gauche, qui aujourd'hui ne se porteraient pas sur François Mitterrand, ne se porteraient pas sur Georges Marchais. Je dis qu'il est important que ces voix se retrouvent sur toutes les familles de la gauche au premier tour, pour qu'au second tour on puisse rassembler, qu'on ne fasse pas l'erreur qu'on a faite en 1974. Vous récusez le reproche de disperser les voix de gauche. Mais absolument. Il ne s'agit pas de disperser, mais le pire pour François Mitterrand, ça aurait été de se retrouver au soir du premier tour avec comme seul partenaire Georges Marchais et 17 plus 27% au maximum, c'est-à-dire 44% de voix. Je dis qu'il faut faire le plus grand pourcentage possible de voix avec le plus grand nombre possible de candidats. Alors qui sont au premier tour rapidement? Eh bien, écoutez, mais ces voix, il y a par exemple les voix des femmes. Moi, je dis qu'aujourd'hui, aucun candidat de gauche n'est capable réellement de déplacer les voix des femmes et de faire comprendre que la gauche a une solution pour les femmes. Alors je dis que moi, je porte l'idée qu'il y a une force nouvelle, une gauche nouvelle possible. Et le vote politiquement utile, je crois bien que c'est le vote de gauche pour moi au premier tour.